Nicolas Colery dans le Grand Handicap des Flyers. Jeudi, vous allez présenter Shana West. Nicolas, que doit-on retenir de sa semi-rentrée en dernier lieu à Clairefontaine? La pouliche courait très bien, on ne peut pas lui reprocher grand-chose. Elle est venue en dedans, c'est pas chose facile à Clairefontaine quand les chevaux viennent en dehors. Elle n'a pas démérité, elle a eu un petit passage à vide, elle est repartie. Je trouvais qu'elle courait pas mal, elle n'a pas trop de marge de manœuvre, mais on va la raccourcir pour l'occasion, et je pense qu'elle sera beaucoup mieux pour elle. Justement, le raccourcissement de la distance peut être un point positif, parce qu'à chaque fois on la voit échouer aux portes des quintés. Oui, c'est une pouliche qui a beaucoup d'allant, on va passer par les 1400 mètres, on va la jauger, mais je pense qu'on ira encore sur plus court après. Je pense que naturellement elle a beaucoup de vitesse, et dès que c'est un peu plus long, qu'elle bénéficie d'un parcours un peu difficile avec un manque de train, c'est compliqué, elle en fait beaucoup. Donc là ça va être limpide, elle va avoir le poids pour elle. Je ne dis pas qu'on peut gagner un quintet comme celui-ci, il y a quand même des très bons chevaux qu'on confirmait déjà à plus haut niveau. Mais bon, elle n'est pas enlevée des jeux, elle est capable d'accrocher une 4-5e place dans un lot comme ça avec 52 kilos sur le dos. Parce que Nicolas, quand on regarde sa marge au poids, elle est faible, et elle ne descend pas beaucoup malgré ses sorties en demi-teinte. Oui, bah elle est toujours aux portes des places, donc ça laisse les handicapeurs un peu méfiants, donc elle n'est pas bougée au poids. Maintenant, en 38, ça me paraît compliqué de gagner un quintet vraiment. Après, les chevaux peuvent nous surprendre, les courses, il faut les courir. Mais en étant réaliste, je pense que voilà, en étant 4-5e, on aura bien couru. Je vous dis, les 1400 mètres vont être un avantage. La fibre, elle l'a fait. Et puis le poids, hein, faut quand même prendre en considération. 52 kilos, c'est quand même un atout de porter peu de poids.